cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat as told by its professors. Né à Clichy, donc j'ai connu la savate boxe française à l'âge de 13 ans, avec Patrick Roguet et Sod qui avait 20 ans, donc à la vieille salle, donc c'était la boxe française, disons-nous, traditionnelle encore, tous en ligne, avec les mouvements, la répétition, et au fil des années, bah, j'ai commencé à gravir les échelons, j'ai passé mon monitorat, j'étais très animé, on a commencé à faire l'école des jeunes avec Sod, des enfants à partir de 6 ans. Et donc après, donc, j'ai fait de la compétition, ça a bien marché pour moi. Je me suis bien affirmé dans cette discipline. Donc j'ai été 5 fois champion de la Coupe de France. J'ai eu 9 titres de champion de France d'affilée, c'est dans le livre des records. Même Richard qui a 12 titres, il n'a pas eu d'affilée. Donc je suis dans les records de la savate. Donc je suis fier de représenter la boxe française. J'ai eu l'occasion de rentrer à l'INSEP, un des premiers qui suis rentré à l'INSEP dans les années 74. Donc j'ai fait 3 ans à l'INSEP. J'ai eu l'occasion d'aller amener la boxe française dans différents pays étrangers, dont les États-Unis, la Belgique, l'Afrique, l'Union soviétique, les pays de l'Est. Donc on a essayé d'un petit peu d'amener notre sport technique et codifié. Hein. Il y avait des autres sports de pied-point, mais qui n'étaient pas trop codifiés à l'époque. Mais nous, on avait vraiment une codification de notre sport, des règles, une protection des boxeurs et une pédagogie au niveau des enfants particulière. Donc voilà, j'ai ouvert plusieurs salles. Donc j'ai enseigné à Clichy-la-Garenne. J'ai enseigné avec Sot à Épinay-sur-Seine, dans les cités difficiles. J'enseigne actuellement, j'ai une salle à Neuilly-sur-Seine, dont j'enseigne toujours. Grâce à l'INSEP, ça m'a permis de refaire des études, donc des études assez poussées avec un bac plus 3, avec des brevets d'État. Ensuite, je suis rentré dans un groupe de police des transports. Donc aujourd'hui, je travaille à la RATP en tant que responsable de service, où je fais aussi pratiquer la boxe française en self-défense, plus d'autres techniques bien sûr de police. Et je donne toujours des cours donc, à Neuilly et au travail. Et en plus de ça, grâce aussi à la notoriété, j'ai toujours été investi dans le milieu associatif de ma commune. Et actuellement, je suis élu, donc depuis 2008, je suis élu et j'en charge la sécurité publique, la voirie, la propreté. Et je garde des liens très, très serrés avec mes amis de la boxe. Donc quand ils ont besoin de moi, je suis là. Tant qu'au niveau humain, tant qu'au niveau politique, on a besoin dans une commune des subventions pour que ça puisse. Là, à Clichy, bon, là, il y a plus de 600 licenciés. Je sais pas si on a une école de jeunes qui est excellente. Tous les grands champions aujourd'hui, comme Souliman, en boxe anglaise, on les a connus à l'âge de 6 ans ici. Hein, ils ont commencé
la boxe ici. Donc bah, pour nous, c'est un plaisir de vendre la boxe. Bon, j'avais une spécialité un petit peu qui m'avait appris mon ancien professeur, c'était le coup de pied plexus, une bonne jambe arrière, un revers figure qui passait très bien, qui passe toujours très bien d'ailleurs. J'arrive à le faire encore avec des élèves beaucoup plus jeunes. Donc voilà, la boxe française, c'est un plaisir. Et je crois que c'est un sport qui doit évoluer encore un petit peu, parce qu'on est encore un petit peu primaire. Mais on a quand même bien évolué quand même. Et je pense qu'on doit développer au maximum. Et le développement sera à travers les enfants, parce que c'est la base du sport. Plus d'enfants pratiqueront un sport, plus il y aura d'émergence vers le haut. C'est un peu les méthodes soviétiques, hein, sport à l'école obligatoire. Quand il y a 10 000 gamins qui font un sport, bah c'est sûr qu'on arrive à en sortir un ou deux. Et on aimerait, nous, en France, remettre le sport dans les écoles primaires et les maternelles pour faire évoluer notre sport qui est si joli, la boxe française. Bah, c'est-à-dire que la boxe française, oui, quand on fait de la compétition, pourquoi la savate ? Parce que c'est un sport bien codifié. C'est un sport qui est reconnu d'État. C'est-à-dire que quand on est champion de France, on est athlète de haut niveau, et quand on est athlète de haut niveau catégorie A, on a des avantages dans la vie de tous les jours dans le monde professionnel. On peut avoir des contrats d'athlète de haut niveau. Et toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est important pour l'avenir du boxeur et du sport qu'on pratique. Bah, je crois que si, ce qu'on peut dire, c'est vous enseignant, où vous soyez dans le monde, pensez que la savate, c'est important, et c'est à travers les jeunes qu'on arrivera à faire émerger notre sport.